Dans Matthieu chapitre 27, au verset 37. Dans Matthieu 27, au verset 34, il est dit, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, et l'ayant goûté, virgule, il refusa de le boire. Bible en français courant, 1982, il est dit, et là, il donnait à boire à Jésus du vin mélangé avec une drogue. Oui, vous avez entendu, une drogue amère. Après l'avoir goûté, ouais, Jésus a goûté la drogue, hein. Il ne voulut pas boire. Matthieu chapitre 27, verset 34, vous dit que quand Jésus était sur la croix, on lui a apporté de la boisson, il a goûté, il n'a pas voulu boire. Parce que tu peux goûter quelque chose sans avaler la chose. Tu peux mettre la chose à la langue, tu rejettes. Tu n'as pas bu. Selon Matthieu, il a goûté, mais il n'a pas bu. Il a refusé de boire. La même scène dans le livre de Jean, chapitre 19, au verset 29 à 30. Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, virgule, et on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, virgule, il dit, on n'a pas dit ici qu'il a goûté. Dans Jean 19, 30, Jésus a bu la boisson qu'on lui a donnée, contrairement à Matthieu. Il dit, tout est accompli. Il baissa la tête et rendit l'esprit.